Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve sur du Call of. On a débloqué la MP5 légendaire. Le plan, donc on a les accessoires qui sont déjà prérequis dessus. On va essayer de se faire une game avec, voir qu'est-ce que ça donne. On va faire plutôt une game normale. Que Shoothouse, on va dire j'en ai un petit peu marre. Je n'ai beaucoup fait cette semaine. L'arme elle a quoi dessus précisément? Alors, on a le frein de bouche qui est d'origine comme ça. Ce qui est plutôt pas mal sur cette variante, j'ai vu, c'était la crosse. La crosse, c'est la toute dernière. Et là, celle-là, elle est level 42. Donc, celle-là, je pense, c'est un level 50. Donc, c'est ça qui est plutôt pas mal. Après, à voir avec la lunette hybride et la poignée, qu'est-ce que ça donne. Parce que c'est vrai que on perd quand même de la vitesse, de la visée accélérée. Donc, voir si c'est vraiment ouf. Mais ça peut être pas mal. Ça peut être vraiment pas mal. J'ai hâte de voir. L'esthétique en plus est plutôt jolie. Un peu couleur crème. Attendez, je vais faire ça. Une petite couleur crème, c'est vrai que c'est propre. Comme ça, on sera pas dérangé. Aïe, aïe, aïe. On arrive dans une gamme en cours. J'attends déjà des hélicoptères. C'est la première game. Espérons que je vais pas me faire exploser. Déjà, voilà, ce petit fils-là. Alors par contre, là c'est que le premier kill. Elle a l'air quand même de viser plutôt rapidement. Qui est déjà une bonne chose. Alors lui il s'est fait éclater. On va tenter d'y aller. Non, non, je l'ai pas vu. Elle a plutôt pas mal, hein. Bon, j'ai fait que 2 kills, hein, mais la rapidité de l'arme, c'est vrai que c'est vraiment violent. Que j'essaie de créer plusieurs classes à la MP5. Et le problème, c'est que toutes les classes que j'ai fait sont lentes. Ça tue rapidement. C'est plutôt bueno tout ça. Là, je suis choqué de la rapidité de l'arme en fait. Bon, on va s'en refaire une autre. Je fais une coupure, on se retrouve tout de suite. Bon, on va faire un petit test. Du coup, j'avais fait une coupure. Donc, j'ai modifié vite fait la classe. J'ai juste mis un silencieux en plus. Et j'ai changé de mode. Je suis passé un peu pour changer sur de l'hardcore. Voir un peu ce que ça donne. Là, et en plus, on est tombé sur Crash. Donc, autant dire que on a peut-être de la chance, voire pas de chance du tout. Parce que Crash, elle était bien sur les anciens codes. Mais sur celle-là, autant dire que c'est de la grosse camp. Donc, est-ce que c'est une bonne nouvelle? Ça, il est en fond de map, ils vont capturer les points. Ah merde, dans le bâtiment. Ah, ça campe dans le nouveau. What? Ah putain, dans le nouveau endroit qu'ils ont mis là, l'espèce de petit rebord qu'ils auraient dû jamais mettre. Bon bah il faut que comme par hasard on apparaît sur une bêtise hein. On peut pas être plus malchanceux que ça quoi. Il reste des joueurs, ouais il reste un. Allez, une bêtise. L'allié fait pas attention putain. Oh là là, on va se faire dégommer bêtement.
Bah, de toute façon, le mec, il est en arrière. Oh, le mec, ça, qu'est-ce qu'il fait là? Voilà pourquoi j'aime pas Crash, tout simplement. C'est même pas le mode hardcore qui fait ça, c'est carrément les gens, quoi. La communauté que tu joues en simple ou en hardcore, c'est de la camp, de la camp, de la camp. Et voilà. Le mec sait faire que ça. Viseur fixe, ça t'attend. En normal, c'est exactement la même chose. Je sais pas si dans vos lobbies à vous c'est pareil, mais en tout cas moi je tombe que sur des mecs comme ça. C'est vrai que c'est complètement énervant. Que me taper constamment des campus, c'est relou. En fait tu profites pas du jeu quoi. Il est où lui encore? Oh là 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 là. Pas profiter du jeu, c'est impossible. Faut toujours qu'il y ait un truc. Ah, j'ai fait de la merde. Eh, ils sont quand même un kill monté à droite, un kill monté à gauche. Il bat quand même les records, les gars. Elle est une bêtise. Et elle est une bêtise. Oh là là, on bat les records de bêtises dans la map là. On devient lassant. On est qu'à 7 kills. On n'a pas fait de capture. On se mange 100 points d'avance. Autant dire qu'on est bien comme il faut. Tout va bien. C'est une très bonne game. Ah, dommage. Je suis en train de bloquer le côté gauche pour qu'il aille prendre le QG. J'allais dire, je bloque, ils prennent pas le QG. Oh l'allié! Il est sérieux lui! Ah là là! Je commence à faire un petit enchaînement pas trop dégueulasse. Petit gun. On rattrape un peu, on est à 59. C'est pas ouf, mais c'est déjà pas mal. Ah, vous voyez, les bêtises quand même, c'est. Autant dire que c'est pas que dans l'hardcore ou dans le simple qu'il y a des bêtises, c'est partout. Bêtises, c'est le nouvel mode.
Enfin, j'étais persuadé qu'il y avait un mec. J'ai pas été encore ici quoi, en haut. Ah, ça faut full RPG quand même. Hein. Betty. Allez, tu viens sur lui, le mec, il a viseur fixe. Tiens, bâtard. Regarde, il faut que tu crèves. Ah, de toute façon, à mon avis, c'est perdu. Il lui manque un truc sur l'arme, mais il lui manque un truc. Même en hardcore, on met des hits. Faut qu'on tente, hein. On tente. Qu'est-ce qu'il fout dans notre... Dans notre camp? Ah, je veux dire, ça c'est pas normal du tout par contre. Mais il y a un mec, il y a un allié qui est au-dessus, non? Allez! Ah, la greu. Mettre ça là-haut. Ah, je suis bloqué. Le défi est terminé.
Allez, un petit coup d'RPG. L'autre, le mur en face, il est quand même ultra loin. Mais malgré ça, tu te prends quand même le coup d'RPG. Ça fait stress lui. Bon. 35 kills, c'est pas dégueulasse. Pas moyen de faire un petit kill monté là? Voilà. De toute façon, on a perdu. Oh là là, j'aurais pu faire la triple. On va mettre la DAF pile poil. Faut garder le point longtemps, si on garde longtemps les gars, on est bon. J'étais qu'il a croupi à faire, ça tombe plutôt bien. Oh, je l'ai pas vu. Je suis tellement con. Allez, 150, on peut le rattraper. Il reste 4 secondes, c'est-à-dire qu'il faut, il faut absolument qu'on le tire. Si on arrive à le tenir jusqu'au bout, on a la victoire. Ça peut être faisable. 160. Personne au QG. Voilà, bien. Ah, il l'a vu. Bien. Allez. À gauche. On l'a, c'est bon. Ah, yes, baby. Le retournement de situation dernière seconde. 46-2, j'ai capturé qu'à la fin, mais on a quand même eu la victoire. Pas de peu, hein. Bon, après, je pense que j'ai dû mourir quand même pas mal de fois, quand même. Et que sur la fin où j'ai commencé un peu à rattraper les petites lacunes du début, ouais, 23 fois, c'est énorme. C'est énorme. En face, ouais, 12-41. Ouais, c'était quand même tendu de chez tendu. C'est plutôt pas mal le petit QG hardcore, je suis plutôt fan. Donc dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires de la classe, du mode hardcore pendant qu'on y est. Et n'hésitez pas à laisser un petit j'aime, vous abonner, activer la cloche pour suivre toutes les nouveautés. Et on se dit à la prochaine. Salut tout le monde.